Salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les 5 positions des coffres du poste de l'archer, qui est donc le dernier contrat de Week 6 de l'Ire de la Reine, donc de son émissaire Petra Venge, appelez tout ça comme vous voulez. Bref, je vais vous montrer les 5 coffres, autant pour moi, du poste de l'archer. Mais avant toute chose, puisqu'on m'en a fait le reproche hier, il y a une personne sur Twitter qui m'a dit oui, c'est pas très bien d'utiliser des infos et de ne pas citer ses sources, donc voilà. Je vous donne mes sources, puisqu'apparemment ça avait l'air de poser problème à cette personne et peut-être à d'autres, pourquoi pas. En l'occurrence, les screens qui m'ont permis de trouver la position des différents coffres, tout simplement je les ai trouvés sur le Twitter de Bungie Informer, qui a relayé une information qu'il a trouvée sur le site reddit.com. Voilà pour la source de ces informations. Autre chose, il y a des personnes qui m'ont dit « c'est dommage, sur ta précédente vidéo, on ne voyait pas les coffres du poste de l'archer », tout simplement parce que quand j'ai fait la vidéo, le contrat n'était pas encore sorti, puis j'ai planifié l'upload et elle est sortie assez tard dans la soirée et le contrat était malheureusement sorti entre temps. Donc voilà, je suis désolée pour ça, c'est vrai que ça vous fait une petite vidéo à part pour ces derniers coffres et c'est bien dommage, j'aurais bien aimé que ma vidéo soit parfaite et complète, mais voilà, c'est pas le cas. Donc tant pis, je vous donne l'info en différé avec juste cette petite info dans cette vidéo, mais bon, j'espère que ça vous fera plaisir quand même. C'est parti, je vais vous emmener tout de suite au premier coffre. Il se trouve tout simplement près du gros bâtiment, la centrale. Je sais pas comment vous l'appelez, je l'appelle la centrale habituellement. Je pense qu'elle a un nom un peu plus officiel, mais bon, je vous avoue que j'ai pas vraiment fait gaffe. En l'occurrence, ce coffre, il se trouve ici, au pied de la centrale. Il faut savoir que les coffres pour ces missions de l'Ire de la Reine sont toujours en extérieur, toujours très visibles, donc c'est vraiment pas difficile de les trouver. Le deuxième se trouve au pied de cet énorme pylône, donc encore une fois, bien en vue, bien à l'extérieur. Le troisième, il se trouve tout simplement sur le pont. Donc pour ceux qui ne savent pas comment aller sur ce pont, il faut passer par l'un des pylônes qui se trouve un petit peu plus à droite. Et donc le coffre, il est vraiment bien au-dessus du pont, juste au niveau de la grotte qu'il y a au pied du même pylône. Le quatrième coffre, quant à lui, il est vraiment tout au bout du pont. Donc il se trouve en dessous cette fois-ci, vous n'aurez pas à jouer les équilibristes. Et il se trouve précisément entre ces deux engins motorisés, au niveau du sol, encore une fois, tout à fait visible. Cinquième et dernier coffre, il se trouve à proximité du dôme et donc sans avoir à rentrer dans le dôme, le coffre va se trouver ici, un petit peu sur votre droite, à l'endroit où est en train de danser actuellement mon personnage. J'ai fait le tour des 5 coffres du poste de l'archer, c'est donc tout pour cette petite vidéo. Encore une fois, je vous présente mes excuses pour avoir sorti une vidéo à part pour cette zone. Malheureusement, j'avais pas encore eu le temps de jeter un œil sur la position des coffres pour cette zone puisque le contrat est sorti assez tard hier. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao !